Eh bien, salut les amis, c'est Oxy, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Island of Syros, et aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Dark Even. Du pain, ça fait du bien, une bonne journée s'annonce devant nous, et oui, car cet épisode est tout simplement la suite de celui qu'on a fait, on va tourner les deux. Regarde-moi. Mais pourquoi tu t'infliges de la souffrance devant moi? Pourquoi veux-tu que je te regarde? Je suis sadomaso. il est fou, il se met devant moi, il fait « Regarde, je vais m'asperger de douleur. Regarde-moi souffrir. » C'est ça. Attends, j'ai de la viande de zombie. Ouais, t'as vraiment envie de te faire souffrir jusqu'au bout, toi. Donc voilà, cet épisode est là. Pendant 30 suite, secondes, je suis empoisonné. Ah, j'en ai 600 rap, tiens. Donc, l'épisode est sans transition, on ne s'arrête pas, et comme vous l'avez vu, l'aventure, on continue de tourner, c'est-à-dire qu'on vous fait rien rater, il n'y a aucune ellipse, rien du tout, ça part direct, et l'aventure continue, quoi. Hop là. Exactement. Donc moi, je vais aller couper un peu de bois. Non, je vais aller miner, tiens, dans cet épisode, je vais miner un peu, je vais laisser le bateau en stand-by, tu vois, et je vais aller miner. Moi, je laisse aborder ton bateau, parce que... Il va piller le bateau, non. C'est bien, au moins je suis rassuré, je me dis que moi non, toi, je suis pas le seul à pas savoir faire les bateaux. Quoi. Non, mais je sais les faire, c'est juste que si ça fait très longtemps, donc du coup, ouais, j'ai un peu perdu la main. Mais je peux en faire un, mais c'est vrai que moi aussi, pareil, ça fait longtemps. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était pour mon serveur. Mais... Pareil, donc c'était il y a... Mais bon, à l'époque, j'avais le créatif et tout, World Edit, tranquille quoi, tu vois, la vie tranquille, cool. Pareil, le mode créatif et tout... C'est vrai que c'est vachement plus simple, hein. Quand tu dois le faire en survie, c'est autre chose. Exactement. Et la dernière fois que j'ai construit en mode survie comme ça, c'était ma cité flottante, c'était sur un très vieux serveur, c'est quand je faisais pas de YouTube encore. Donc ça fait un peu de temps maintenant. Ah, moi je faisais déjà du YouTube par contre, hein, quand j'ai commencé à faire mes bateaux. Il faudrait que je regarde mes anciennes vidéos pour regarder comment je faisais les bateaux, ça pourrait être très intéressant, et pourquoi pas. Tuto Baroxy, comment faire un bateau? Oh, un bateau qui s'enlève. C'est pas une bonne idée, je vais peut-être le faire ça. Je vais m'améliorer en bateau et je vais le faire. T'as conscience qui t'a rattrapé. Oh, finalement, je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Bon bah allez, je me déco, je vais faire un tuto de bateau moi. Ah, reviens, me laisse pas l'émission tout seul là comme ça. Je vais essayer de choper une hache, j'ai une hache. Moi je me suis dit, je vais faire une mine au petit et tout, et je suis arrivé dans une autre mine qu'on avait déjà faite. J'ai creusé une sorte de putain de galerie tout au fond, mais ça n'y a rien donné. J'espère que tu auras plus de chance que moi pour récupérer du diamant, car la mission est de trouver du diamant, quoi. Ce serait pas mal. Exactement. Et du gravier aussi. J'ai trouvé de la lapis lazuli. Ouais, lapis. Bah c'est pas grave, ça nous permettra de colorer noir de net clay avec de la poudre d'os. On fera du bleu clair et on pourra colorer nos pierres d'argile en bleu. C'est ça. Ce sera sympa, je pense. Exactement, c'est une très très bonne idée que tu as eue là. Hop. Bon, du coup, je continue de miner, je mine comme un fou. Oh, je trouve du fer, c'est complètement épique, il n'y avait qu'un bloc, c'est n'importe quoi. Ah non, il y en avait un autre derrière qui se cachait. C'est complètement épique, et ben non, il n'y en avait plus qu'un. Est-ce que tu comptes combien de fois t'as dit que c'est complètement épique? C'est pour ça. Non, mais j'en ai fait exprès. Oh, j'ai trouvé une nouvelle... Oh putain, j'ai trouvé une grotte, elle est trop balèze, il y a des creepers et tout dedans. Bah vas-y, si t'arrives à trouver quelque chose, je vais aller saborder ton bateau. Non, pas contre toi. Hein, oh my god, j'ai failli tomber dans la gamme. Je croyais que t'allais me dire, putain, j'ai trouvé un super truc, mais en fait non. Ah, c'est un super truc la gamme. Putain, bah, mais elles sont super fourbes, truc. Ces grottes. Un peu comme... Alors... Oula. Alors... Qu'est-ce qu'il a ce bateau ? À moins d'avoir l'esprit mal placé, une bite fourbe, c'est très dur quand même. Laisse tomber. Alors, ton bateau, qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Je dirais que l'avant, déjà, il est peut-être un petit peu trop... Trop aventureux. Je sais pas trop. Putain, elle est trop belle, cette grotte d'arche. Ah ouais ? Ah ouais. Je te laisse admirer, c'est moi. C'est une magnifique grotte. Magnifique. Du coup, je le réduis de 1 de hauteur, hein, ton bateau. Ouais, mais depuis l'eau. Depuis l'eau. Pas depuis l'air. Depuis l'eau. Oui,
Tu te mets dans l'eau, tu te mets pas sur le bateau, tu te mets dans l'eau et tu coupes les bûches du bas. Et celle du bas ? Oui. Bah pourquoi ? Bah parce que comme ça, on va pouvoir faire le dégradé du bateau plus beau. Parce que si tu coupes... Ah d'accord, je vois. Voilà. Ok. Ok, bah je l'ai remis, j'ai rien fait. Comme si c'était rien passé, d'accord ? Hop. De toute façon, tu ne filmes pas, donc il n'y a aucune preuve. Tu ne filmes pas, il n'y a aucune preuve. Ouais. Je dis un peu ce que je fais quand même, parce que les gens ils vont revenir, on fait dis donc, c'est moi ou ton bateau il a un peu changé de forme là depuis. Non, pas du tout, non. C'est qu'une illusion. Je n'ai qu'une illusion. Alors tu veux que je le casse partir d'où? Genre, je vais sous l'eau et je casse tout ce qui est en bas? Bah, une ligne en bas plus que dégradé que j'avais commencé à faire. Faut que je casse ton dégradé quoi. Non, 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 s'il te plaît, Oscut, fais pas ça. Bon, tu sais quoi, je te laisserai faire. Je sens que je vais me prendre la tête à essayer de te faire ton truc. À chaque fois, je vais te demander. Et alors, la partie à gauche, on la fait comment? On verra plus tard. Je vais aller couper des arbres. Oh, parce que... oh putain, non, non, s'il te plaît, Oscut. Non, 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 non. Oh putain. Oh, messieurs, dames, Oxyak est en train de jouir. Faites gaffe. C'est bon, je vais tomber dans la gaffe. Oh non, il y en a un autre. Il y en a un autre. Non, 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 non. Cette fois, il y a un arc enchanté. Oh, j'ai un achievement. Et t'as vu, regarde dans 1.7, ils te le disent. Dark Haven a récupéré du bois. Bah oui, j'ai changé de version il y a pas longtemps. Ah my god. Aïe! Non, 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 oh putain, putain. Tu as besoin d'aide? Non, mais là, je sais pas comment je vais faire. Attends. Veux-tu que je vienne? Oui, tu peux si tu veux, mais tu vas avoir énormément de mal à me retrouver, en fait. Ah bon? Oui. Tu t'es perdu? C'est à peu près ça. Ah non, 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 s'il te plaît, Oscut. Non, 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 sois gentil. Sois gentil, t'es un gentil. Non, 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 Dark, non! Bah si c'était prévisible, mais bon en même temps je suis sûr que même en ayant couru je ne t'aurais pas sauvé vu que j'étais en haut et que t'étais à 1000 blocs de moi. J'aurais fait t'es où Xy? T'aurais fait je suis là, je t'aurais fait mais c'est où là? Il fallait taper c'est là. Le diamant il est dans la gaffe. C'est vrai? Ouais. Ah merde. Ça c'est plus compas. Ah bah oui c'est pour ça que j'étais en panique depuis tout à l'heure, ça aurait été juste un squelette comme ça tu vois j'aurais tué mais comment non. Comment t'as fait pour te mettre dans une situation aussi périlleuse? Bah les grottes de cette map sont très... hostiles. Même pas, c'est qu'il y a de la lave partout. D'accord. Et que si t'as deux squelettes qui te tirent dessus de chaque côté, forcément tu tombes dans la lave au bout d'un moment. T'avais beaucoup de stuff sur toi? Bah tout. Ah ouais quand même. Je suis mort avec genre tout. Genre tout. Tout ce que j'avais ouais. Ah, mon armure, mes outils, mon épée. Je vais y retourner, ça se trouve, il reste 2-3 trucs, mais bon. Je vais prendre des bottes en maille et une épée en pierre. Comment c'est spawné, moi aussi je rentre à l'intérieur. Si tu veux m'aider peut-être à aller rechercher ce stuff. Ah non, il y a une épée en pierre. Oui, bien sûr. Bon bah, viens. Par contre, bah, il nous faut à manger. Ouais. T'as... Ah merde, j'ai même perdu ma rotten flèche. Eh ouais. Bah là t'en as une dans le coffre. Et ouais. Attends. Je vais pêcher au péril de ma vie non, sur non, le bateau. On va tuer 3-4 poulets. Ah bah tu les poulets ouais. Ah bah oui tu les poulets. Mais qu'est-ce qu'on fait chier, tu les poulets. Tiens voilà. Regarde. Encore un. Et voilà c'est bon, 7 poulets ça devrait le faire. Ah ouais c'est cool. Par contre faut qu'on se dépêche. Qu'on se dépêche. Bah attends, je vais faire un petit truc vite fait. T'étais parti où? Je les ai mis à cuire vite fait. Attends, du coup je vais laisser un peu le stuff que j'ai parce que si jamais il m'arrive une connerie aussi ça me ferait chier. Du blé, viande de zombie on va la garder parce que j'ai pas de bouffe. Et les poudres d'os par contre, et les graines, là. Voilà. I'm ready. Are you ready? Et je retournerai pêcher la prochaine fois. Bon, est-ce que tu crois qu'un... Oh non, on verra plus allez, tard. C'est bon, let's go, on y va. Viens, suis-moi. Du coup, je pars devant, tu sais. Hop, salut. Hop. Nous allons trouver le peu. Je suis rentré dans ton corps. Regarde, ah, je suis dans ton corps. C'est très... Ah mon dieu, tu m'as traversé de part en part. C'est très ambigu, Dark. Oui, tu l'aimes, mon corps. Oh. Viens là prendre ton oxyclac. C'est bon, j'ai miné par là. Hop. Oh putain, mais toi, genre, le mec, il a pris à gauche direct, à droite après, tu sais. De fou. Hop. Voilà, t'es un aventurier de l'extrême. Après, j'ai mis des par là. Oh putain. Ça me rappelle, moi, mes premières parties dans Minecraft. C'est genre, je minais, dès que je trouvais une grotte, je continuais de miner ailleurs. Ouais. Je faisais, oh, une grotte. Oh, ouais. Une autre grotte. Après, je suis allé par là. Oh non, t'es sérieux, quoi. Oh, le fou. Attention au hack de lave, j'ai sauté par-dessus. Enfin, tu vois, moi, je suis un peu genre prudent.
Moi, je nique, tu vois, voilà, la lave, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai du fuck, tu vois, la lave. Non, parce que voilà, quoi. Si on perd tous les deux notre stuff, là, par contre, on n'aura pas l'air con. Personnellement, là, je vais avoir très honte si je meurs. Et en plus, j'ai tendance à mourir dans ce genre de situation. Oh putain, oui, d'accord. Oui, oui, c'est très risqué. C'est très laveux ici. Comme... Le nombre d'expressions qu'on vous crée dans la journée, je vous dis pas, c'est beaucoup de travail, vous savez, vous imaginez même pas. Hein. Oh putain, j'ai failli tomber dans la lave. Ah, moi, je bouge de dirt, hein, c'est mort. Waouh. Waouh. T'es où? Attends, ah, Oxy, t'es parti devant? Attends, je suis là. T'as contourné? Oh putain, j'ai failli tomber dans la lave. Ah, t'es là. Oh oui, putain. Oh, mais le truc à se perdre, quoi. Mais t'es allé trop loin. Non, mais attends, en fait, je crois que c'est pareil que je suis allé. Ouais, c'est pareil que je crois que je suis allé. C'est plus droite. Droite, gauche. C'est vrai que ça se ressemble, en plus. Oh là là. Ah, je suis content d'avoir pris un peu de dirt sur moi, tu vois. Question de sécurité. Ouais, t'as bien fait. Veuillez respecter les consignes de sécurité. Le tout est basé, les petites lignes jaunes. Ok, ouais, c'est bon, c'est là que je suis mort. En fait, non. Ouais, j'ai faim. Ok. Putain, mais comment on va trouver du diams là-dedans? C'est ça le problème. Ah, c'est par là. Bon, je pose des dirt. Hop là. Ah. Alors. Attention. J'entends un creeper, mais je sais pas où. Aïe, c'est bon, j'ai retrouvé les amis qui m'ont tué. C'est attention, le squelette. Aïe. Le duel incroyable du squelette contre Oxylac. En fait... Eh oui. Aïe. Un coup de flèche, un coup d'épée, un partout, la balle au centre. Attention, remise en jeu. Mangeage de poulet. Oxylac qui le bifle avec son poulet. Un non, coup de cuir. Aide-moi, mais aide-moi. Oh putain, l'enfoiré, oh, il me regarde mourir, quoi. Ça rigolo. Ouais. En plus, le poulet, j'ai même pas pu le manger. T'sais, j'ai juste mis un petit croc dedans. Ouais, mais tu l'as biflé avec son poulet. C'est rigolo. Bon, bah, je vais explorer avec toi, du coup. Hein. Okay. Attention, il y a un creeper là-bas, t'as vu? Ouais. Et là, l'objectif, c'est à retrouver le stuff. Ah, bah, tu l'as pas retrouvé encore? Ah non. Ah, d'accord. Je croyais. Oh, il a pété la route. Moi, je croyais, moi. Non. Alors, à gauche, à droite, tu sais? Toi-même, tu sais? Putain, mais il y a du charbon, quoi. On... Bah, t'inquiète, niveau charbon, c'est bon, quoi. Je crois que je me suis trompé de chemin. Putain, je t'avais dit de regarder la route avant de partir. Putain, on aurait pu regarder sur internet. La base virale VPS a été mise à jour. C'était la petite pause à vaste. Hop. Alors. Je suis peut-être mort par là-bas. Je n'ai absolument aucune idée. Oh putain, tu sais que j'étais à deux doigts de tomber dans la lave. Oh putain, j'étais à deux doigts de tomber dans la lave aussi. Oh la vache, je viens de taper un gros coup de bad là. Non, on n'y va pas, n'y va pas. Oh putain. C'est pas par là. Écoute, pression, eh, vas-y, tu me fais peur. Moi, je rentre, je passe la chaude. Ah non, je peux pas, merde. Mais tu peux pas. Il va aller par là. Ça doit être par ici. Bon, à mon avis, ça fait 10 points. Condamné à rester enfermé dans ces grottes là, c'est ça que tu me dis? Oh, mais... Ah putain! T'as une pioche, non? Oui, j'ai une pioche. Bon, oui. Bah, on va miner tout droit. Tu sais que là, je suis quand même incapable de retrouver le chemin de l'urto. Hein. Ah enfin, non, là, moi ça va, t'inquiète. Ouais, ok. Moi, d'habitude, j'ai asne pour montrer le chemin après. Non, faut juste que je retrouve l'endroit où je suis mort en fait. Mais où est-ce que tu es mort? J'en sais rien. Oh putain. Mais tout se ressemble, quoi. Je suis mort à côté du bloc de charbon et d'obsidienne. Ah ouais. Ah okay. D'accord. Ouais. Ok, bon, on va chercher. C'est pas loin de la stone, c'est ça? Ouais. Et ça marche. Il y avait de la dirt à côté? Oui, oui. Il y avait un peu de dirt. Ok. J'ai retrouvé en fait la mine. Allez, juste là. On a retrouvé le début. Mais nous, ce qu'on veut, c'est à la fin. C'est ça. Bon, en fait, je sais plus où t'as je suis. Du poulet là? Parce que je vais non, j'ai tout, moi, j'ai tout mangé. T'es sérieux? Mais j'en avais 7. Mais oui, mais j'en ai emmené que 3. Les autres, ils sont dans le four. Ah putain. Bah, je retourne à l'entrée. Ok. Bah, parce que moi, mon stuff, il a disparu. T'es mort dans la lave, peut-être, du coup il a cramé. Ouais, mais j'ai même pas retrouvé le chemin où je suis mort en fait. Tu regarderas la vidéo et puis t'auras les boules, quoi, parce que tu diras que c'est à 1 cm à côté, mais que tu l'as pas vu. C'est ça. Souvent, moi quand je revois les diffusions, des fois t'es là, tu fais ah non. Je suis con. Je suis passé à côté. Non, ça c'est pas la sortie. Oh, putain, que c'est trop... mais non, là c'est pas la sortie, on vient de passer à côté de la sortie. Attends, montre-moi où c'est. Parce que j'ai 3 gigots et après je suis mort, moi. Bah, viens, c'est pas rien. Oh putain, non!
De l'eau. J'ai pas d'eau, j'ai rien. Bon. Je peux te donner une torche. Attends, bah viens, je vais te montrer la sortie, quoi. Tu vas pas mourir, là? Si, si, mais justement, je vais te la montrer avant de mourir. Avant de mourir? Merde. C'est tout droit par où je suis mort. Fait que c'est tout droit avant de crever. Oh putain. Reprends mon stuff en passant. On est con. On est con. Changement de stratégie. La prochaine fois, tu prends 3 lingots de fer, tu te fais un seau d'eau et go, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Je suis tombé dedans, quoi. C'est t'as la peau qui se crame d'un coup. C'est. C'est en train de cramer. Je vais te montrer le chemin de la sortie. Oh, rigole-toi. Non, non, par contre, Oxy, là, la bonne idée à faire, c'est, trop... c'est 2 seaux d'eau. Et comme ça, bah, en seau de. Et tu utiliseras ces 2 seaux d'eau justement pour, bah, pour pouvoir avancer dans la lave sans. Voilà quoi, tu l'éteins quoi. Ouais, mais là mon stuff il est perdu. Donc là je viens à toi pour te remontrer la sortie quand même. Ah bah c'est bon, t'as trouvé. C'est vrai ? Ouais, ouais, je vois ton nom. Crie mon nom. ah bon ? Oui. Bah je viens vers toi là ou pas ? Ah mais t'as pas pris le bon chemin. Ah bon ? Bah je sais, moi je. C'est juste à côté, c'est à 5 cubes. C'est ici. Où derrière toi, derrière toi. Refais demi-tour. Un Enderman. Demi-tour ? Oui, regarde. Je vois pas. Monte un petit peu en haut, en tout début. Regarde, je suis juste en face. Ah oui, oh, pfff, c'est genre, ça m'est trouvé, c'était pas. Ah non, regarde, il faudrait le mettre en évidence, quoi, mettre un truc, quoi, de la lumière, je sais pas, dire. Regardez, c'est ici. Bah moi, ça va, moi, je trouve. Merde. Fais attention à la gaffe. Hein. Ah bah tiens, il y a du fer. Oh bah c'est cool, j'ai mis en hauteur. Ah bah c'est cool ça bah. Oh la vache, ce filon. Laisse tomber. Tant qu'à faire on prend. Oh putain, j'ai failli tomber dans la lave. Eh hey, je me suis tapé un filon mon pote. Bah c'est le filon que j'ai trouvé et qu'il y en avait que 2. Sans doute. Ah bah t'inquiète, les 24 étaient au dessus. Les 24, oh ah, oui y putain. Y'en a pas 24 peut-être mais. Attends tu rigoles mais c'est un. Je t'aide. J'en ai récupéré 17. Je suis en train de mettre des patates dans le caillou. Eh, hey, 17 de fer pour avoir levé la tête, c'est pas mal quand même. Ouais, bon allez, viens, on va parler. Attends, il faut un truc qui mette en évidence, hein, parce que... Bon, on le fera après. Ouais, non, mais je sais, mais c'est quand même un gros attrape. Parce que là, j'aimerais bien te ramener à la maison, en fait. Moi, à la maison. Si ouais, mais de toute façon, je peux pas te porter sur mon dos ou quoi que ce soit, donc... Hop. Ah putain, c'est que c'est... on n'est pas encore arrivé. Ah non. T'as raison, je suis sur le point de mourir. La mission sauvée d'Arkhaven. Tan. Oh putain, je suis tombé dans la lave. Hop là. Oh putain, c'est dangereux. Oh là là. En fait, c'est que je me rappelle plus c'est par où. Je t'ai montré un bout du chemin, mais je me rappelle plus de l'autre bout. Si, normalement, c'est par là. Ah si, c'est là, voilà. C'est juste là. C'est de l'autre côté. Je vois ton... Ouais, je t'emmène dans des trucs complètement what the fuck. Ah ouais. J'en peux plus. Alors attends. Chiga, Gadark. Oui, sauvé. C'est bon. Ah putain, mais elle est horrible cette grotte. Mais putain. Attends, on est pas encore rentré. Ah putain, oui. Oh oui, c'est vrai que toi tu t'es. Ouais, mais là ça va, on reconnaît oui, après. Oui, ça va. Tu vois, le truc c'est de prendre c'est... un. Pas par rien. C'est par là, Oxy. C'est vrai ? Oui, c'est bien là. Ok, c'est bon. Je vois la lumière. Ah vite. Oui, c'est bon. Oui. Reste 3 gigos. Il y a mine qui part dans tous les sens. Oh putain. Oh putain, je vais mourir. Oh putain. Vite. Je chope le premier truc qu'il y a dans le four. Le mec qui rentre chez lui, tu sais, qui mange un poulet comme ça. Le mec il court, il fait putain, je vais mourir de faim. Il court, il ouvre son four, blanc, il te défonce un poulet quoi. Le poulet bouillant, c'est le prendre des mains. Oh, c'est voilà, c'est ça. Oh, je veux bien aussi. On en mange deux quoi. Poum, j'en veux bien aussi. Il en reste qu'un. Oui. Bon, ah oui, non, mais là, moi j'étais sur le point de crever. C'est donc, ça, en fait, toi t'es Obélix, moi je suis Astérix quoi. Du coup, on a 45 d'Ardenet Clay pour l'instant. J'en ai refait. Tu vois, niveau déco, tu pourras te faire plaisir après. Ouais. Tiens, je vais faire cramer du fer. Hop. Ouais, fais ça. Cramer. On fait cramer le fer, nous. En fait, voilà. C'est bien. Avec des fours de cuisine, on fait du verre, on fait du fer. Bien, ouais, non, des fours qui montent à 4000 degrés. J'ai du fer, j'ai une forge. Tu sais, c'est un truc de fou. Hein. J'ai du fer et tout, j'ai de l'or. Enfin, tu vois. C'est la routine, quoi. Ouais, mais voilà, carrément. Si t'as besoin de bois, j'en ai récupéré un petit peu, là, ici. Hein. Ouais. Ouais, mais je suis parti explorer, voir si je trouvais des poulets morts.
poulet mort, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ici, on peut trouver des poulets morts. Oh, putain. On avait oublié ce petit détail. Non, non, mais en fait, je vais pas me refaire une armure maintenant et tout, parce que dans quelques secondes, on va arrêter l'épisode, tu vois. Ce que j'ai déjà prévu. Alors, non, mais j'ai le timer sous les yeux, en fait. Non, mais je me doute. Donc, je vois à peu près à combien de temps qu'on en est, tu vois. Là, ça fait à peu près 19 minutes. Je ne peux plus splinter. Bon, bah, de toute façon, ça sert à rien de faire genre, bon, je vais passer le temps, je vais courir un peu partout. Donc, on va arrêter l'épisode ici. On se retrouve très bientôt au prochain épisode. Donc, prochain épisode, j'irai encore chercher du diamant, mais cette fois en mine optimisée, je pense. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et pourquoi pas aller faire un petit tour dans la description pour aller voir la chaîne de Dark Even. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, c'était Oxyga qui est Dark Even. Merci à tous les amis et à la prochaine. Allez, salut à tous.